Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La réaction par rapport à la vidéo sur les salles de sport où on n'est pas obligé de payer pour pouvoir maigrir, on n'est pas obligé de payer pour faire du sport. Vous trouvez un endroit comme celui-ci où vous voulez courir, marcher, faire les exercices à dos et tout ce que vous voulez. Donc faut mettre en place. Pourquoi? Parce que la survie commence par une bonne santé. Une bonne santé, c'est une bonne hygiène de nourriture, une bonne hygiène en général. Et du coup, la survie commence par ça. Avoir une bonne condition physique, pas forcément celle d'un athlète de haut niveau, mais simplement avoir une bonne condition physique, bien manger, tout ça. Donc ça rend dans ma préparation, puisque c'est important d'être dans une bonne condition. Et deuxièmement aussi, un autre truc, c'est qu'il ne fait pas forcément beau aujourd'hui. Il pleuvait. Et donc ça aussi, quand il pleut, c'est pas une raison pour ne pas aller en faire. C'est aussi pas une raison pour ne pas faire du sport. Au contraire, fait moins chaud, c'est plus agréable. Et après, si vous transpirez, vous êtes quand même mouillé. Bon, c'est pas la peine de... Oh là là, je suis mouillé. Et puis, quand il pleut, faire aussi du sport, ça, c'est pas plus grave que ça, au final. Donc voilà, faire du sport, bonne hygiène de santé, ça commence par ça, la survie. Préparation, c'est aussi de mettre en place des choses pas forcément agréables. J'aime pas courir, je suis pas un grand sportif de haut niveau, mais même si je marche sur 1 km et je cours sur 500 mètres, au moins je fais quelque chose. Et c'est ce qu'il va falloir garder en tête pour vous. Bon, après, je n'ai pas d'enfant, j'ai pas tout ça, donc j'ai pas une vie extrêmement compliquée à ce niveau-là, donc je peux faire ce que je veux quand je veux, plus ou moins. Donc voilà. Donc une bonne santé, c'est déjà commencer par ça, la survie. Ensuite, un bref petit mot sur l'endroit. C'est qu'un endroit où la circulation est à côté, c'est pas forcément top de respirer la pollution des voitures, mais enfin, avec la merde qu'on bouffe en général, un petit peu de pollution, ça fait... C'est pas que ça fait pas de mal, mais enfin bon voilà. Je suis pas forcément d'accord de courir dans un endroit où il y a la pollution. Parce que je pense que là vous entendez les voitures. Et puis voilà. Mais après on fait ce qu'on a. Et puis c'est gratuit. Ça fait gros 3 quarts d'heure, 1 heure que je fais du sport. Et j'ai rien payé. Donc pour les salles de sport. Très bien, trouver une alternative et encore faire des économies. Et voilà. Et tout bête, il y a plein d'alternatives dans la vie pour plein de choses. Il faut juste savoir les trouver. Sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt. Et bonne préparation et bon sport. Et dans la vie, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que les solutions. Ciao les amis.